Et salut à tous et à toutes, c'est Corpus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer la série Apprendre à jouer Diana. Donc, on est parti pour la dernière partie où je vais jouer en ranked à partir de 1900 à peu près d'Elo. Voilà, donc je suis arrivé à 20 victoires, donc c'est pas trop mal, je trouve. Avec quelques difficultés parfois, surtout contre la hache et la roquette lance. Mais voilà, on va voir ce que ça donne. Alors, excusez-moi, c'est possible que j'ai des petits troubles, que je commence à tousser ou que ma voix est différente, parce que je suis malade, mais j'avais pas envie de repousser la vidéo, donc on va la faire maintenant. Voilà. Donc j'espère que tout va bien se passer et qu'on va monter facilement en ranked. Alors j'ai pas pris le chrono, donc j'ai juste regardé l'heure. Ok, bon, on est parti. Donc j'espère que vous m'entendez assez bien. On va repasser à l'ancien micro, ça dépend. Donc je vais pas beaucoup parler, mais voilà, s'il y a des choses importantes à dire, je les dirai. Donc ça c'est assez embêtant. C'est deux armes au corps à corps comme Diana, c'est pas ouf ouf. Ah, j'aurais dû faire plus tôt. Il aime bien les signes. Oh, je voulais pas faire ça. Ok, je peux voir. Ouais, je voulais faire. Bon, il va être chiant, lui. Vraiment. Ouais, c'était sûr, ça. Il va faire que ça, c'est trop relou. Ouais, il y avait une forte probabilité que je perde la première pour m'habituer. On va essayer de se gagner quand même. Alors je vais pas réussir avec les guns contre lui parce que lui il est grave relou. Je voulais vraiment pas faire ça. Ça non plus, je voulais pas faire. Oui, donc il est simple à ride, mais il enchaîne bien. Donc il est assez problématique. Et il aime beaucoup les sigs surtout. Ouais, ça c'est pour terminer, je vais pas chercher à comprendre. On va rester avec l'arc, il aime pas ça, essayer d'esquiver encore neutral. Comme je vous l'ai expliqué, on va pouvoir le calmer. Oh, trop tôt. Ça c'était prévisible. Ça aussi. Ok, nice. Je pensais pas gagner cette game, je suis content. Bon, j'ai utilisé ici parce qu'il était trop relou. Il était assez simple à read, mais il enchaînait bien, donc voilà. Un adversaire relou. Voilà, comme je vous l'avais dit, quand vous voyez qu'une combo marche, cherchez pas à comprendre, continuez tout simplement.
Lui, vous voyez, là, tout le monde fait ça. Par contre, là, c'est déjà, j'aime pas trop la map. Et Tero, c'est l'un des persos que j'aime le moins, je pense. Là, je suis tombé de côté pour la corée. Ouais, c'est n'importe quoi. Voilà. Chaque fois, je fais trop tôt mes raids. Je respecte les gens qui jouent Teros. Hein. Si vous jouez Teros, ok, mais. La plupart des terroirs vont spam la même chose. Ok, faut que j'arrête de me jeter. Sig. Ok, parfait. Très bien joué de ma part. J'ai rien à foutre moi. C'est pas jouer sans armes, c'est pas mon problème. Quand je joue en enquête, je suis pas là pour rigoler. Surtout aujourd'hui. Vous jetez pas sur l'adversaire, faites. Moi je suis assez agressif, sauf maintenant je le suis moins qu'avant. Mais voilà, attends, faites attention, parce que généralement, dès que vous allez venir, ils vont vous attaquer. Ouais. On va essayer de rester en vie. Normalement, ça passe. Ah, dommage. Bon. Ouais. J'aurais pas dû faire ça. Bon, là, je vais save. Hein. Insider, ça devrait être terminé avec les guns. Ok, j'ai un peu stressé à la fin, je crois qu'il allait me tuer. Surtout que j'aime pas la hache. Deuxième victoire. Ah oui, si vous. Bon, je me parle à moi-même, mais si vous pensez que le gentil Corpio est encore là, c'est. Non. Là c'est bon, c'est terminé, les gens veulent jouer comme des putes, bah écoutez, on va jouer comme des putes. Et encore, je pense pas jouer comme vraiment comme une pute. Plutôt moins agressif qu'avant. Alors Mirage, bon, qu'est-ce que ça donne. Alors pourquoi j'ai plus de recovery, je ne sais pas. Alors, pourquoi je ne l'ai pas utilisé? Bon, ça commence bien.
On va prendre l'arc. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Ouais, je voulais pas faire ça. Bah si, je voulais faire ça, mais plutôt différemment. Tellement des erreurs débutants. Ça c'était sûr. Alors est-ce qu'il va nous sales? On va faire un neutral sig. Oh, j'ai tellement troll. Chaque fois je voulais prendre l'arme, je suis allé trop vite. Oh, dommage. Franchement, c'était bien joué en plus à la fin. My bad. J'avais bien attrapé le coup en plus. Bon, j'aurais pas dû me précipiter, ça pareil. J'ai tendance à aller trop vite pour prendre une arme. Alors, Fate, c'est assez chiant. J'espère que la map est bonne. Map plot parfait. 3, 2, 1, brawl! Vers le haut. Ok, j'étais pas sûr que ça passe, mais tant mieux. On va jouer un peu les guns. On va voir ce que ça vaut avec et si on est dans la merde, je joue à l'arc. Pas trop ce qu'elle a fait, pas la même chose que moi je pense, mais c'est un peu bizarre. Oh. Bon, ça passe, hein. Alors, ça fait combien de temps? Ça fait à peu près 14 minutes. Donc la vidéo doit être à 15 minutes environ. Donc il me reste encore 15 minutes pour faire de mon mieux. Mais je pense que si j'arrive pas à dépasser mes 950 vélos dans ma prochaine vidéo avec ces roulants, j'ai encore du travail à faire avec la roquette lance, je serai à 1950 vélos.
Là, franchement, le diamant, pour moi, je le dis sincèrement, ça joue juste aux adversaires que j'affronte. Selon leur niveau. Bon, c'est à peu près la même chose pour n'importe qui. Pour tout le monde, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Alors, ne fais pas de cette combo, les. C'est vraiment pas une bonne combo. Des fois, je l'essaye, mais c'est pas ce qu'il faut. Ouais, il a pas sauté. Là, par exemple, je suis allé beaucoup trop vite en faisant ma recovery. Voilà. Alors, il avait l'art de galérer un peu contre les guns. Regardez votre adversaire, les armes qu'il apprécie ou non. S'il joue les guns, c'est-à-dire qu'il, généralement, on joue une arme. Ah, je pensais l'avoir vu. Qu'on aime bien jouer contre ou avec. Non, ça, plutôt, regardez quand vous jouez, contre lui, les armes qu'il aime bien. Gna gna gna, je joue l'arc. La tâche, putain. Oh, mais j'avais fait une side air. Bon, on n'avait pas vu, mais j'avais fait une side air à l'arc. Je déteste la hache, je trouve ça tellement débile et chiant, c'est. Franchement, ça m'énerve cette arme. Il y a 40 000 trop combos. L'arc aussi, mais bon, c'est pas la même chose. Ouais, j'aime vraiment pas. Voilà, j'aime pas la hache.
Ouais, vas-y. Oh, la chatte du Steve. Allez, meurs, s'il te plaît, merci. Ouais, il joue, bah, il joue comme un diamant, quoi, hein, que je voulais que je dise. Ok, parfait. Surtout, ne le touchez pas, hein, si vous voyez qu'il a plus de saut. Non, il joue tellement sa vie, c'est incroyable. Yes, putain, il méritait tellement de perdre ce type. Je peux même pas crier. T'as joué toute sa vie. C'est encore lui, Steve? Ouais, c'est encore lui. Quelle heure il est? Je commence à 52. Ok, bah écoutez, j'essaie de monter à 1950, on s'arrête là. Je pense que ça va être un peu compliqué. Bah, donc là, c'était un typical diamant. Donc j'essaie de jouer comme lui pour pas perdre la game. Ouais, donc ça ressemble à ça, ce genre de game. Le diamant. Qui est beaucoup moins amusant que le platine. Encore les gants, pareil, les gants j'ai bien joué avec, mais je suis pas hyper ouf. Je suis pas ouf, pardon, contre les gants. Ok. Ah, je pensais pas qu'il montait. Oh putain, je voulais faire un Gravity Cancel pour le prendre au niveau du mur, mais je me suis fait avoir. Oh, c'était tellement simple.
Je reviens toujours au même point de départ. Ok, donc comme vous pouvez voir, j'ai 70 wins, donc voilà, j'ai rien à vous expliquer à part le fait que j'ai dû faire à peu près 40 games pour remonter en Elo. Donc là, j'ai juste tryhard avec Koji, je gagnais toutes mes games de 1800 jusqu'à 1930, et donc on va partir, donc je vais pas trop parler parce que là, je suis hyper concentré. Donc on va terminer enfin ce tuto, ça fait, je crois que depuis, sans vous mentir, un moment, lundi, mardi que j'ai fait, et là on est vendredi, donc je suis désolé. Donc là je suis hyper chaud à l'arc, c'est incroyable, genre là franchement je peux pas dire que c'est l'arc comme mon main weapon, mais c'est vraiment l'arc là. Donc c'est très peu probable que je joue Legend pendant cette game. Oh non, pas lui, non, pas lui pour monter s'il vous plaît, non pas lui. J'ai gagné une fois Stack Mirage, il est hyper relou. Je sais pas comment je vais faire pour gagner. Surtout les coups de boulevard et l'eau. Ouais, non, mais. Je l'avais dit, putain, mais. Mais là j'en pouvais plus de ce type. Quand j'étais en plein deuil, il arrêtait pas de me saouler. C'était, excusez-moi, moi j'étais au bord du craquage là quand j'ai vu qu'il m'avait enlevé une vie. Bon, je suis passé. Les guns, bon, vous avez vu, c'était les guns. Non, c'est pas possible. Mon niveau est pas vraiment pas assez élevé pour les guns, surtout pour un joueur comme ça. Voilà, donc c'est possible. Là, ouais, je me suis laissé aller, donc je suis désolé. Donc voilà, je suis hyper content de mon niveau à l'arc. Donc vous avez vu à la fin, je pas cherché à comprendre. C'est notre trafic, surtout qu'est-ce qu'il est tout le temps dans la diagonale. Donc je suis content d'avoir réussi à monter, surtout en 1950. Bon, ça m'a pris beaucoup plus de temps, mais j'ai pu découvrir un nouveau moi, parce que là, avec Koji, c'était impressionnant mon niveau à l'arc, la Diana, je me suis bien débrouillé, donc je suis assez content. Donc voilà, bien sûr, vous, ça fera 30 minutes, mais moi, je vous le dis, ça fait depuis mardi, où bon, je joue pas tous les... Bah, voilà, je joue 1h30 par... 1h, 1h30 tous les soirs, et voilà, je faisais mon gagné, perdu, gagné, perdu, gagné, perdu, gagné, perdu, et ce mec-là, avec son putain de marteau,
ces dagues là, à chaque fois qu'il était dans la merde, il spammait, c'était hyper relou quoi. Donc voilà, où il y avait plein de mecs comme ça où je perdais contre des Ugrim, c'était voilà, c'était relou. Donc c'était une sacrée histoire derrière juste cette vidéo. Donc voilà, c'est possible que le cri à la fin, c'est vraiment de. Ça venait du fond du cœur. Bon voilà, donc je suis un peu déçu par contre, bien sûr. Bon, dans la vidéo ça devait aller, mais là, les guns, je pouvais pas à la fin contre lui, c'était impossible et je voulais pas perdre. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc prochain tuto pour sur Cyrolan, parce que j'en ai pas parlé, mais il va pas mal sortir dans la merde à un moment aussi. Donc voilà, dans un mois, j'espère faire un tuto sur lui, à moins d'un mois, pour terminer la montée en diamant. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner ou à liker ou à revenir sur mon Discord. Et à bientôt.